Bonjour, alors aujourd'hui je vous accueille en mode un peu relax, hein. J'ai posé ma journée, j'ai reçu il y a quelques jours la convocation GRDF pour le changement de mon compteur de gaz. Dans quelques heures j'aurai un compteur de gaz qui va s'appeler Gaspard. Gaspard. Voilà, donc j'ai une pensée très sincère aux futurs Gaspard qui vont arriver dans ce monde et à tous ceux qui s'appellent déjà Gaspard. Voilà, je vous soutiens moralement, vous avez un compteur de gaz voilà, qui porte votre prénom, donc c'est plutôt chouette. J'en ai profité également vu que je suis à la maison pour faire l'entretien de ma chaudière, il devrait passer cet après-midi, et si tout va bien, le passage de ma factrice pour déposer quelques colis, parce que vu qu'on est en mode confinement et télétravail, on en profite pour faire quelques achats de Noël, et j'aimerais trop recevoir mes colis aujourd'hui pour éviter de courir au bureau de poste samedi, donc je suis là toute la journée, n'hésitez pas à passer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enfin bon, il n'empêche que quand je suis à la maison en version cocooning, je pense toujours au fameux film The Holiday. Je sais pas si vous l'avez vu avec Cameron Diaz et Jude Law. Il y a la scène, absolument que j'adore, où elle ouvre la porte, elle est en version gros pull blanc, méga chaussette, elle est trop glamour. Et moi je voudrais dire merci à ce film parce que je pense qu'il nous a absolument toutes décomplexées d'être en mode gros pull et méga chaussette à la maison. Alors aujourd'hui je suis pas en version Cameron Diaz, hein. J'ai pas Jude Law qui va sonner à la porte. Quoique, on sait pas parce qu'au final la Poste fait quand même pas mal de campagnes de recrutement en ce moment, il y a pas beaucoup de films. Ce qui fait qu'il y a peut-être un buzz à faire là-dessus. En tout cas, si ça arrive, promis, la semaine prochaine, je saute sur l'actu pour vous le dire. Enfin bon, on sait pas, on verra. Aujourd'hui, je porte mon pull, le Snug Rug Eskimo, parce qu'il m'accompagne absolument tout le temps quand je suis en mode peinard à la maison. Parce qu'il y a trois choses que je déteste quand je suis sur le canapé, principalement le soir, quand je regarde un film, une série. C'est, premièrement, la pause pipi. Aller chercher les gâteaux dans le placard, et en troisième c'est d'aller choper sur la table basse le téléphone ou la télécommande pour changer parce que le film est mauvais. Dans les trois cas c'est un supplice parce qu'on enlève le plaid, on est en version j'ai trop froid et c'est pas du tout agréable, tandis qu'avec mon Snug Rug j'ai plus problème. Je reste sur le canapé, je recroqueville les jambes, je fais passer le gros pull sur mes jambes, j'ai une grande poche pour mettre mes mains donc ça c'est super pratique. Si j'ai besoin de me lever pour faire une action de tout type, je suis en version petite robe très glamour, et c'est un cadeau mixte. Nous on est à la maison, on en a deux, on a une version grise, une version bleue. Alors moi j'ai le bleu parce que c'est ma couleur préférée et je trouve qu'il me va bien, mais en tout cas ce que je fais c'est que je vous mets le lien du produit pareil dans les commentaires, ça vous permettra peut-être de trouver celui qui vous va, je sais qu'il existe aussi en rose. Et ce que j'aimerais trop, parce que pour m'occuper un petit peu, je suis sûre qu'il y a des trucs trop fun qui se passent à la maison et que vous avez des tenues hyper insolites chez vous, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quelques photos, ça me fera passer le temps aussi. Enfin en attendant moi j'y retourne parce que j'ai quand même un petit peu de travail aussi. J'en profite. J'ai peut-être Jude Law qui va sonner. Je vais peut-être aller me repomponner après. Mais en attendant, j'y retourne. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Matin Malin. Salut! Je vous souhaite une bonne soirée. Et c'est le matin, donc c'est vachement très très bien ce que j'ai dit. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Matin Malin. Oh, bonne soirée.